Salut, c'est Selskavar, donc pour une nouvelle vidéo, donc le troisième épisode de notre Let's Play sur Lego Star Wars 3 The Clone Noir, donc toujours en compagnie de Twisty. Donc voilà, on enchaîne les vidéos à la suite, donc je viens de me rendre compte qu'on est déjà à 5,9% du jeu, ce qui est énorme. Voilà, c'est beaucoup. Donc on va explorer un peu ce croiseur, ce qui nous est donné, les options qui nous est donné. Donc on va, vu qu'on a fait deux vidéos pendant la précédente épisode, on va faire un épisode. Niveau. En fait, on a fait des niveaux, donc là on va essayer d'explorer. Voilà, on va explorer un peu vu qu'on a déjà, on va faire un peu d'annexe entre guillemets, vu qu'on a déjà fait deux. On a fait deux niveaux dans une vidéo, donc ouais. On va s'attarder un peu sur ce qu'est l'annexe, donc voilà, on découvre la salle. Ça t'empêche pas de me tuer. Ah, sale traître! Je suis mortel. Je vais te trahir plus tôt! Ouais, sauf que ma stratégie c'est de pousser dans le vide. Ce qui n'a pas fonctionné! Exécuté le bonheur! Ça sert à quoi ça? On n'a pas. Attends, j'essaye de voir ce qu'on a. Y'a quoi là? Ok. Donc là-bas on n'a pas les briques d'or. Encore. Là on peut y aller. Espèce d'entraide. Je t'ai trahi, Obi-Wan. Tu sais pourquoi ils m'ont dit leur façon 6? Parce que t'enlèves un, tu rajoutes un 6, ça fait chez Freddy Gall. Ah bon? T'emmerdes! Ils ont fait ça? Mm. Pourquoi c'est pas leur 6-6-6 alors? C'est trop long à dire. Oui, exécutez leur 6-6-6-6-6-6-6. The Order 6. Oh, je pense. Hein. Six. Ah ouais, là c'est un 6. Donc là, normalement, il n'y a personne dans les prisons. Donc on reviendra ici un peu plus tard dans l'aventure. Exactement. En fait, on peut peut-être pas tellement faire de grand chose que ça. Non, mais on explore. Puis après, on va aller voir d'autres systèmes, c'est dans le croiseur. Bon, maintenant qu'on est tous les deux, Cody, j'ai vécu. J'ai vécu le bien sur genre. Pardon, j'ai glissé. J'ai plus jamais trop parlé. Attends, c'est pas un vécu ça. D'accord. Alors, est-ce qu'on a. Non, on n'a pas débloqué le. On a la cube. On a la cube de ta glace. Et on a la mojo. Comme on voit qu'on a commencé déjà un peu quand c'est le vidéo. Non, il est trop rapide. Et moi, je vais prendre la camionnette à la glace. Nyon. Oh hey. Et oui. Et là, on a quoi? Ah, pareil. J'arrive. Viens manger mon bâtonnet tout glacé. On peut déjà aller là-haut. Ah ouais, mais je suis allé sans toi. Bâtonnet. Donc voilà, on va se concentrer un peu sur l'annexe, on explore, on a le temps, justement, vu qu'on a fait deux niveaux. Je sais pas si vous aimez pas trop, au pire on verra bien si cet épisode vous a pas plu, après si... Sinon je pense qu'on va tourner entre 5 et 10 épisodes d'avance, à peu près. Après s'il faut, je continuerai la série un peu tout seul, évidemment, parce que j'aurai pas trop le choix, mais... Ouais, j'aime bien le passage, enfin l'ascenseur avec la petite musique. C'est la même musique que dans l'application sur téléphone, là, Tiny Daystar. Ouais. Et la musique dans le... Parce qu'en fait, vous voyez, en croisade séparatiste, donc les gens, quand on aura plus de briques d'or, on pourra y aller. Et vous verrez que ça sera, on va rien, c'est pas du tout, donc voilà. Donc c'est classe qu'on ait débloqué les tourelles maintenant, donc Twisty, c'est bon. Tu peux te calmer. Twisty. Pardon. Allez, comme un collier, execute the time, this way. Execute order 66. Ok. Ah! Bah, je sens toi. Non, il s'enfuit! Je te retrouverai. Vite fait long. Vite fait long. Où as-tu dissimulé le Graal sacré? Non, pas plus. I will execute the Order 66. Ok, on peut bouger des poubelles. And now, I will execute the Order 69. Attends, je vois ce qui se passe quand on met les poubelles là. Oh. Voilà. Execute 9 parce que je fais pas derrière. Ça vide les poubelles. Très utile. Apprenez à vider les poubelles, j'en sais rien. Apprenons à vider les poubelles ensemble. Elle vient me tirer dessus. Ah oui. Alors on a déjà quelques briques d'or, donc moi je sais ce que ça donne ça, donc 330 c'est déjà pas mal. C'est pas mal, si. Ça vaut les buts. Plus que 127. Bon, je pense qu'on peut aller faire un niveau, parce que je crois plutôt qu'on va tenir... Non, on va pas faire un niveau tout, non, mais je vais quoi. En fait, on va faire un niveau, hein. Juste... Faut pas que je me suicide. C'est dérangeant de prendre la personne avec moi, une fois. Non, mais j'ai peur. Tu m'as vu une fois, donc clairement... Oui, mais pas fait exprès.
C'est pas ma faute, c'est mon arme qui tient toute seule des fois. Ouais, seulement je veux vérifier si note qu'on a débloqué d'autres. Donc là, Kazimundi était du côté de tout à l'heure. On a débloqué tellement de personnages, ils sont 4. Donc là, il nous manque 3 briques d'or, ok. Et j'irai aller voir là-bas, voir combien il nous en manque. Je dirais 2. Je crois qu'il en faut 5 aussi. Au revoir. 10. Ah non, il nous en manque 7. Aïe, ouais. Bon, je vais reprendre Kazimundi pour un peu me défendre quand même. Salut, tu veux que je rentre mon crâne dans tes pièces? Dans ta mère. Je défie pas un maître de taille puissant. Va devant la vitre là-bas. Alors on est dans le système de Christophe C, donc je vais montrer ce qu'on a débloqué, donc c'est ça. Et on va aller dans le système, donc on a rien débloqué. Normalement on a Genesis. Ouais, on a Genesis. Ouais, dans le système de Genesis. Ça rentre, hein. Donc voilà, on est dans le système de Genesis qui ressemble très clairement à Saturn. Allez, oh, un clou. Et paf! T'es bonne meuf! Et du coup, on est remonté là. Du coup, bah, ça sert à rien. Pourquoi on est remonté? Non, mais je t'ai abandonné en haut. J'en ai marre, David! Heureusement qu'on a réussi de smash. Oh, pas d'arme. Si tu me tues encore une fois, je me suicide 140 000 fois. Enfin, 140 fois. Je suis revenu pour t'achever. Donc on va essayer de trouver bah, la suite du niveau qui n'est pas... Juste voir combien de personnes on a débloqué. Donc on a débloqué 5, 6, 7, 8. C'est plutôt bien. 8 sur... Non, moi je dirais 9. 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, j'ai pas vu Black. Excusez-moi, autant pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur 1, 2. Ouais bon. Alors... Est-ce que moi, que je connais votre jeu, est-ce que ça sert à quelque chose de changer de système? Non, c'est juste pour parce que comme ça on peut avoir des trucs dehors et ce style. Donc on peut avoir des trucs dehors, hein. Ouais, on peut avoir des trucs, mais on n'a pas débloqué le hangar vaisseau. En fait, quoi. Bon, ben il nous faut encore 3 briques d'or. On aura le temps de faire une petite mission, ça dépend. Après, c'est celle-là, là, la lune de. Non, je regarde, non, après, donc Florum, c'est. Il y a duel de droïdes, c'est bien après, ça c'est sûr. Et là, c'est une bataille en fait. Allez. Donc les souvenirs, je suis un singe. Non, c'est pas celle-là. Après, en fait, je prendrai le commandant. De base, tu seras commandant de Pawn, c'est ce que je serai Jar Jar. Du coup, je prendrai celle de la Pawn. Le commandant de Pawn, c'est un peu comme. C'est le même que Rex. Donc, compte, je te laisse ouvrir. Le général Gungal. Anakin et Obi-Wan sont prisonniers d'Ondo et de sa bande de pirates dans l'espace de la planète du Forum. D'ailleurs, le pirate, c'est celui après on va voir Dark Knight et tout. Oui, mais ça c'est dans la saison 5. Oui, c'est vrai. Le Sénat et le Haut Conseil Jedi se rassemblent pour décider qui sera l'envoyé pour négocier la libération de Jedi. Mais les pirates ont fait d'autres plans. On se demande pourquoi on est Jar Jar. Bon, même le Kondoku a été capturé. Ouais, faut le dire. C'est dans la saison important, t'es censé l'avoir vu. Oui, mais moi j'ai mort la poche rouge. Mais ça, je confirme. T'appelles comment déjà? C'est quoi ton nom? C'est quoi un nom? Cette mission gave est dure parce qu'on a. Enfin, les gars, je t'avais dit. Ado, dis pas mon cœur! Allez, toi!
mets mon tête dans le tabac. Il est détruit. Oh putain, le canon, je commence à détruire le canon, j'arrive. Et dès qu'il tombe, tu touches plus à ça. C'est pas celui qui meurt, lui. Fonce ? Non. Non, c'est pas lui qui meurt. C'est celui qui meurt dans le vaisseau, tu parles ? Non, c'est pas lui. Donc tu descends en bas en fait, pour que t'ailles au niveau du truc en gris métal. Et du coup. Je sais pas. Ah, tu veux dire pour l'avoir dans ce manque de vue ? Ouais, bah attends. Occupe-toi de ça. Tu détruis le canon après. Tu détruis le canon, t'es sûr ? Ouais, détruis le canon. Tu veux pas que je monte et toi tu me mettes à côté du truc en métal ? Non. Dur, hein. Ouais. Meilleur stratégie. Je vais leur chourer une autre date. On a très peu de temps pour agir avec un autonome. Voilà, je pense. Donc, si on peut leur chourer un temps. Bah attends, bouge pas. Laisse-moi faire. C'est bon. Bon, clairement! Prends une moto jet et va lancer un truc rose sur ça là. Torpille. Je savais pas si tu connaissais le monde. Oh, j'ai joué à Star Wars Nouveau quand même. Ouais, avec moi. Oui, mais les torpilles, c'est depuis un bail. Hein. Une moto jet. Non, c'est ça qui tire les torpilles en plus. Donc ça doit le faire. Non, il y a les moto jets aussi des fois. Ah ouais, regarde, je cours plus vite que toi, t'as pas montre. Oh, j'ai réussi alors que mon vaisseau était à l'autre bout. Alors, on rechourait. Va couper le bouclier, s'il te plaît. Ce que je vais faire. Est-ce que vraiment une torpille gagne plus de temps? Malheureusement. Donc, les gens, petite Ellie. Ouais, donc re les gens. Oui. Pas la vie du truc, on va être bientôt l'avoir tué quand même. Ça, c'est plus simple. Et j'ai pris en toi. Oh, j'ai bien un auto jet. Vas-y, viens détruire ce que je suis en train de défaire. Voilà, prends ça, occupe-toi des. Je suis presque. Tu vois, ça prend pas les torpilles. Mais si ça les prend, tu vas dessus. Je suis aussi dessus. Non, mais tu vois, c'est dessus. A, tu peux en prendre qu'une Enzo. Ah d'accord. Ouh, hasta la vista, oh baby. Non, il en faut encore. Oui. Très bien, regarde. Voilà. On bat les couilles de mon esprit. Argent. Monnaie. J'y vais. Je prends une hippopotame. Attends. Tu vois, tu rigoles hein, mais c'est pratique parce que. Oh, je coupe vite le bouclier maintenant, j'ai encore ma torpille. Ah ok. C'est que je voyais pas le où est-ce qu'il était le bouclier. Je te dépêche d'aller faire ta route, c'est ça. Ouais. Ah. Voilà, j'ai pas le temps. Bon moi j'ai coupé le bouclier. Ah non. Tu vas le couper. Mais j'ai activé pourtant. Mais ah! Je crois que je peux pas. Et si tu peux, si je me mets pas dedans. La serre. Voilà! Juste que tu sais pas appuyer sur une touche, tu peux. Mais non, j'étais caché par le canon, je voyais rien. Et tu vois, c'est pas Pond, c'est Stone, c'est marqué. Ah oui, c'est pas lui, Pond. Non, mais il y en a plein, mon gars, des commandants. J'ai Pond, Stone. Et il meurt pas, Stone. Non, Pond, c'est pas possible de win de premier, c'est ça que j'avais fait.
Ah ok, il y a un truc sur celui-là, c'est pas ça. Ouais, du coup, il faut aller sur l'autre base. Casser le bouclier. Je m'occupe du... J'essaie de chercher un véhicule qui tire des... comme ça. Voilà. Moi, je m'occupe de péter le truc et... Pourquoi je ne peux pas monter dessus? Ah, c'est bon. T'as besoin de qui colle dessus. Oh, mais, ah, je sais quand ça marche. Je sais pas, tu dis que tu veux monter dessus, donc... Oui, mais c'est parce que voilà. Peut-être que je peux utiliser les torpilles sur ça. Non. Vas-y, apprends une torpille. Prends-en et fonce dessus. Vas-y. Fonce. Encore. Non, non, c'est bon. Ouf, on était déjà ça. Oh, mais ça va. Oh, mais ça va, tranquille. Salut. Blocage de bruit. Non mais arrête. C'est un problème. Donc voilà les gens, donc niveau terminé, je l'ai débloqué, donc on a débloqué Jar Jar Binks. Oui. Et le commandant Stone. Oui. Et Enzo va être désébloqué, mais je vais le quitter. Donc voilà, on a en argent, on a 210 000 pièces. Voilà, 4 trucs en or, et on continue l'histoire. Donc on va s'arrêter là, ça fait un peu court, donc en fait on... Oh, court, 7 minutes, c'est pas mal. Hein. Ouais, il y a une petite île de... Donc voilà les gens, donc je vous dis, abonnez-vous, commentez, likez, et... À bientôt.